Je vais vous expliquer comment réaliser un secret de Poudlard. Donc pour réaliser ce secret, il faudra aller dans l'annexe de la bibliothèque, donc juste ici. Ensuite, vous choisissez le téléporteur Hall Central. Quand vous êtes dans le Hall Central, vous montez tout en haut et vous allez passer les deux portes qui sont juste en face. Ensuite, vous arrivez sur un pont où il y a une énigme. En fait, ici, il y a quatre symboles et il y a quatre coupes de feu à allumer avec votre feu, tout simplement. On va allumer les deux autres là-bas. Voilà. Quand vous avez allumé les quatre coupes de feu, ce que vous allez faire, c'est regarder les symboles. Donc regardez, là, il y a un losange à droite. Ici, c'est un losange. Donc là, il y a le chiffre 4 à côté du losange. Donc vous mettez 4. Ensuite, là, c'est un rond. Le rond, c'est 2. Vous mettez 2. Ensuite, il y a un triangle avec un plus et un triangle normal. Donc le triangle avec le plus, c'est 3. Et le triangle normal, c'est 1. Donc vous allez vers les deux les autres coupes de feu et vous allez mettre 3 au triangle avec le plus et l'autre il était déjà sur 1, donc ça m'a ouvert directement le passage. Donc quand le passage est ouvert, vous entrez dans ce passage et vous allez avoir accès à 3 coffres, si je me trompe pas. Alors un petit sort de Revelio pour révéler tout ce qui se passe. Ok, donc il y a un coffre ici et les deux autres normalement, ouais, voilà, il y en a un autre juste ici. Et un dernier tout au fond. Et voilà comment vous allez pouvoir révéler un secret de Poudlard.